Go, je vais mettre la musique du de la vermine dans mes oreilles. Oh la vache, ce jeu! Ça va bien, ça va bien. Là, je m'étire. Ça va bien, ça va bien. Ah, du coup, c'est le jeu où je vais faire des voix. Attention, ça va être très drôle. Déjà là, c'est magnifique, je trouve. Alors on va continuer parce que il y a toujours la sauvegarde de l'époque, mais on va faire une nouvelle partie cette fois-ci. Peut pas partir le no playing. Ah oui, du coup je vais faire les voix, attention. Vénéré, glorifié, sage. Voilà ce que nous, les chouettes, voulons être. Petite dédicace à Tendo, bien sûr. Durant des siècles, nous avons travaillé dur pour gagner le respect que les gens ont pour nous. Et en cette heure où les temps deviennent de plus en plus durs, tu devras toi aussi, en tant que mon élève, porter le fardeau de ton espèce sur tes épaules. Je constate que tu es déjà une jeune chouette respectable, Otus. Avec le temps, je te transformerai en mon portrait craché. Ne sois pas si nerveux. C'est un grand moment pour toi. Bien que tu sois né muet, tu deviendras sous ma tutelle l'un des piliers de notre communauté. Bien, je vois que nous avons du pain sur la planche. Ne sois pas inquiet, je vais te remettre sur le droit chemin. Je vais être honnête avec toi, Otus. Tes résultats scolaires récents laissent plus qu'à désirer. Et en y réfléchissant, il est possible que tes talents résident dans d'autres domaines. Aujourd'hui, nous allons donc voler. Je parie que tu attendais ce moment avec impatience. Bien, alors écoute attentivement. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter. Une fois en l'air, déploie-toi de toute ton envergure et bats des ailes. La cape chouette que je t'ai donnée devrait faire le reste. Allez, Otus, montre ce que tu sais faire. Bien, tu voles. Essaie de te déplacer un peu maintenant. Tu vois cette plateforme là-haut? Vole jusqu'à elle et atterris sur cette île. Et je t'apprendrai toutes les ficelles. Bien, Otus, ce vol était plutôt catastrophique. Je dois dire que je suis très déçu. La plupart des élèves réussissent instantanément. Demain, nous reprendrons les études classiques. Cela me fait trop de peine de devoir voler ainsi. Ouf! Vite, Otus, Veli connaît une pénurie d'eau. Les gens ont besoin de notre aide. La sécheresse n'est pas aussi tolérante que je le suis à propos de ta lenteur. Pourquoi as-tu laissé le pichet d'eau sur le sol? Ramasse-le immédiatement, dépêche-toi. Une minute. Tu as secoué le pichet dans tous les sens. Laisse-moi vérifier qu'il reste de l'eau dedans. Pose-le ici. Non! Je t'ai demandé de le poser, pas de le détruire. Comment va-t-on apporter de l'eau aux villageois à présent? Je m'en souviendrai. Et je te garantis que les autres apprendront ce que ton incompétence nous a coûté. Tu as compris? Les mots me manquent pour te dire à quel point tu m'as déçu, Otus. Laisse-moi, j'apporterai l'eau à Veli moi-même. Otus, tu m'as déçu encore et encore. Aujourd'hui, pas de leçon. Tout ce que tu as à faire, c'est parler aux autres villageois. Facile, non? Même toi, tu peux y arriver. Demande-leur ce qu'ils pensent de toi et de ton incompétence, par exemple. Ne reviens pas tant que tu n'as pas appris ce que tu dois savoir.
La vérité à ton propos? Es-tu sûr de vouloir la connaître? Tu veux savoir la vérité? Toi, muet, toi pas pouvoir répéter de toute façon. Pourquoi tant de nervosité, Otus? Bien sûr, tu as toutes les raisons de l'être. Otus! Otus! Enfin réveillé, j'espère. Nous allons être en retard. Heureusement que je suis venu te réveiller, ou tu aurais fait la grasse mat encore. Sors de ton lit tout de suite et retrouve-moi dehors. Et oui, c'était un rêve. Enfin, un cauchemar du moins. Voilà, voilà. Alors, je rattrape tout hein, dans le chat au passage. J'ai mis 6 warframes dans la fonderie, mais tranquille. Ah, je marche, j'ai mis. Ok. Évidemment, il y est muet. Au moins, comparé aux autres jeux, il y a une justification. Exact. Ouais, notre perso est un débile. En fait, il est pas si débile que ça. C'était du coup un cauchemar où qui sentait, on va dire, toute sa. Tout. Son amateurisme, on va dire. Tu sais, toutes ses faiblesses, toute sa maladresse, lui pesait sur ses épaules. Et c'est pour ça, en fait, qu'il faisait autant de gaffe. Et puis bien sûr tout le monde était contre lui parce que bah il est un peu bah en fait Otus il se sent trop coupable de rien. Voilà. Voilà, le personnage a de la profondeur, ça fait genre 5 minutes qu'on joue. C'est incroyable. Je vais moucher, je reviens. Le jeu est trop bien. C'est pour ça que tu y as cru, Rag. Moi aussi, j'y avais cru la première fois. Oh, putain. Oh, il est l'enfer. Allez, go. Putain, ça remonte quand même quasiment à 3 ans hein, que je l'avais fait. C'est fou. Oui, j'en ai rajouté il y a un petit moment. Ça date peut-être d'il y a une semaine. Quand on avait fait le stream sur Super Mario World, ils y étaient normalement. Ouais. je l'ai pas précisé sur le Discord, mais oui, je les avais rajoutés. Otus, reste concentré, monte là-haut. Bah oui, au moins tu l'as vu, c'est le principal. Enfin, te voilà, Otus. Aujourd'hui, nous monterons la garde sur Veli. Ouais, il y a une tonne de récompenses, mais c'est genre des récompenses, mais c'est des défis de votre part, quoi. Et encore, il y en aura beaucoup plus à l'avenir. Dès que j'aurai une webcam, je vais faire des choses. Oh mon dieu, je vais me rendre fou. Des pirates sont venus dans les parages récemment. Tu connais la musique, si tu vois quelque chose de suspect, signale-le au garde ou à moi. Des questions? Non? Alors au travail. Bah, il peut pas te poser des questions, il est muet. Et bien sûr, tout est limité, tu peux pas exagérer sur l'utilisation de chaque récompense. Bah en fait, c'est de l'interactivité. C'est un bon moyen de faire en sorte qu'il y ait de l'interactivité dans le chat, tu vois. Et que ça... Quand ça rend, on va dire, le live beaucoup plus intéressant, de manière générale. Alors certes, ça peut paraître bizarre, mais c'est une strat, hein. Oh, la musique. Oh là là, la musique. En haut, place de Veli. En bas, résidence d'Otus. Ça, je me rappelle à peu près les touches. J'ai envie d'essayer, mais j'ai pas envie à la fois. Après, il y a plein de choses, hein. Tu peux t'amuser. N'hésite pas à t'amuser. C'est le principe. On ramasse toute la moula, parce que la moula, c'est la vie. Qu'importe le jeu. Alors, je me rappelle à peu près de la carte en plus, c'est cool. Pas de jurons, voilà.
Pendant 5 minutes. Normalement, c'est bien ça, hein, je sais plus. Pas de juron. Pendant 10 minutes, j'ai rien dit. Ça reste gentil, oui. Ça aurait été sur... ça aurait été sur Dying Light, par exemple, ça aurait été un peu complexe, quoi. On se rappelle du fameux clip de la semaine dernière. Par contre, il n'y a pas de gage si je foire, hein. Faut pas déconner. Foirer n'est pas une insulte, c'est un mot un peu familier. Attention. D'ailleurs, ça m'a fait extrêmement rire de remater certains clips. Hein. Merci pour ça, hein, Rag, d'ailleurs. Puis les clips s'afficheront du coup sur l'écran de pause. Que je vais utiliser tout à l'heure dans la transition des deux streams. Ça va être sympathique. Alors oui, je peux manger des trucs pour regagner de la vie, tout ça. Mais là, je mange, mais ça sert à rien. Je continue de vérifier un peu partout pour la moulaga. Alors ça peut être un... Ok. Ça va pas être un let's play, hein. On va pas refaire un let's play du jeu, on l'a déjà fait il y a quelques années, même si j'aimerais. Faut pas déconner. Pareil à faire de nouveaux clips. Ah, nice ça. Et du coup, pendant la partie de Among Us de tout à l'heure, ça va pas mal me mettre dans l'embarras. Du coup, à certains moments, s'il y a certaines récompenses qui sont utilisées. Donc ça va être très drôle. Enfin, pas pour moi, mais... En vrai, si, ça peut rajouter un peu de complexité au gameplay qu'il y aura. Ok. Donc c'est cool. Quand t'es soupçonné. Oh, l'enfer, ouais. Antus ! Ah oui. Eh mec, tu es de garde aujourd'hui. Tu veux faire un truc après ? Antus et Geddy, le duo inarrêtable. Peut-être qu'on devrait se faire ce voyage à Event aujourd'hui. Dis-moi quand t'auras fini ta journée. Moi, je serai ici à réparer ce canon. Faut être prêt à toute éventualité, pas vrai ? En fait, il avait une voix un peu comme ça avant. Tu sais, genre la voix du comment ? Du gamin avec la mort au nez. Mais là, je lui fais une voix un peu plus... voilà. Reste le chat d'Among Us. Complètement. Et encore, hein, on peut considérer que parler dans le chat est considéré comme parler, tu vois. Donc ça peut être très drôle, ça peut être très drôle. Parce que, attends. Oui, désolé, hein, la VOD, tout ça, je regarde juste vite fait. Ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc, on peut considérer que si je dois parler dans le chat, c'est la même. Par contre, je peux utiliser les raccourcis. Je peux utiliser le chat rapide, vu que c'est pas techniquement parlé. C'est un chat rapide. Je dois pas taper moi-même le texte. Oh, ça va être un enfer. Oh les chouettes, vous bossez dur. Les élèves de Strix montent la garde un peu partout depuis Haven jusqu'ici. Et toi aussi, tu es là. Je préférerais me détendre dans ma source chaude. T'as l'air de pas supporter cette chaleur, mon gars. Laisse-moi t'apprendre un petit truc pour lui décontre. Ah, tu sens ça? Le tout, c'est d'accepter l'eau brûlante. Se relaxer dedans, s'y plonger tout entier. Essaye. Voilà. N'oublie jamais de prendre le temps de te détendre. Croisant le vieux Toby, c'est le roi de la détente. Ah, et du coup, je gagne de la... Oh! Je me souviens du jour où tu es né. On va tout raconter ici, dans cette source d'eau chaude. Ok. Je le ferai pas, t'inquiète. Ah, oui, mais on peut considérer IRL dans le sens où que même écrire, c'est techniquement parler IRL, tu vois. C'est un peu tricky. J'avoue que ça peut rester flou et je peux m'arroufler là-dessus. Mais je vais être honnête et j'utiliserai seulement le chat rapide dans les cas-là, quoi. Salut, petit Otus. Toi, chercher pirate ? Moi, y en avoir vu. À l'ouest, au poste de guerre. Toi, aller voir si tu veux. Et puis, fauteur de troubles est dans le village. C'est pas toi, hein ? Quelqu'un a volé mes bongos. Toi, bien ouvrir l'œil. Ah, les doublages foireux sont de retour. Ça va être un plaisir. ça peut aller, ça peut aller. Mais ça m'handicape quand même pas mal, hein. Genre si je jouais à un FPS, je suis dans l'eau caca, honnêtement. Genre là, si je les enlève, je vois, mais c'est pas agréable du tout. Genre c'est vraiment pas agréable. Mais par contre, vu que vous n'avez pas la preuve,
Eh ben en fait, vous faudra compter sur ma parole. Hé, bouh. Eh, tu l'as bien eu, Fib. Ouais, Bonacci. Il faut croire qu'il s'est volé après tout. Oh, tu es tellement peur, Otus. Les chouettes devraient être fortes et intrépides. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée que tu montes la garde? Tout le monde te prend pas pour un idiot. Je veux dire, est-ce que t'es vraie chouette au moins? Et poser des questions ne sert à rien, Fib. Il ne peut pas répondre de toute façon. Ah oui, il est muet. Muet, cet idiot Otus. Ouais, vous pouvez time out pour 800 points. Hey! Lâchez-le, vous deux! Et retournez patrouiller ou je vais le dire à Strix! Ouais, c'est pas gentil, mais c'est drôle! Ignore-les, Otus! Ce sont de vrais gamins, sachant que c'est temporaire, c'est pas un ban non plus. Et pourquoi je t'accompagnerai pas? Je t'aiderai à monter la garde! On leur montrera! Viens me ramasser et allons-y! En vrai, c'est temporaire, tu vois, c'est ça qui est bien. Mais ça peut être drôle parce qu'il peut y avoir des batailles là-dessus. C'est genre pas un ban def. Pour 800 points, tu peux bannir quelqu'un définitivement. Voilà quoi. Geddy, meilleur ami d'Otus et mécanicien de la force de défense de Veli. Geddy détient un blaster en général et efficace en combat mais pas contre des roches ou de l'acier. Yo Blue, comment vas-tu Blue? J'espère que tu vas bien Blue. Attention, tu me déposes, Otus. T'as fait un peu exprès de me lâcher, mais je t'en veux pas. C'est par là que je dois aller, alors. Metal Slug, attention. J'ai pas vu ça à quel moment que je dois arrêter. Enfin, je peux reprendre mes insultes sans problème. Salut Geddy et Otus. Salut Vandolin. T'as vu des photos de troupes par ici? Non, mais je suis heureuse de voir que vous en cherchez. Avec les élèves de Strix, il y a tant de chouettes dans les environs. Ouais, mais c'est Otus et moi qui régleront les problèmes, pas ces feignants. On fait un duo de choc. C'est bien que vous vous amusiez. Faites juste attention aux pirates gigantesques, d'accord? Ouais. Pardon. Alors, du coup. Oui. Oh, cette musique. L'OST, elle est folle. Ok, y'a rien ici. Je me rappelle plus, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué en moi. L'exploration avant tout. Comme tu peux le voir, Asio, cet écran est au cœur de la machine. Il affichera la carte de la zone en temps réel. C'est ma plus belle œuvre. Je ne comprends pas. On a déjà des cartes. Les chouettes les actualisent. Ne sois pas bête, Asio. Les îles volent et il reste si peu de chouettes. C'est le futur. Regarde, une toute nouvelle technologie à l'œuvre. Cela me laisse froid. Zut, elle marchait parfaitement avant que t'arrives. Quelque chose a dû. Ton élève est dans mon labo, Asio. Otus, que fais-tu là? Ne lui saute pas dessus, Asio. Je n'ai pas un souci tant qu'il ne casse rien. Enfin, rien d'autre. Ne reste pas trop longtemps ici à rien faire. Sors patrouiller au cas où les pirates arriveraient. Ok, je peux descendre? Je peux rien faire. Si jamais. Ouais, non, je peux rien faire. Let's go, la voix de vieux. Hein. Ça date. Hein. Et il faut que je m'en mouche. C'est l'inconvénient d'être malade. Ça va être un enfer tout à l'heure. Oh, j'ai une très bonne idée pour tout à l'heure.
Et je verrai pour ajouter ça en off. Durant la pause, en fait. La porte est verrouillée, ok. C'est quoi ? Ça, il postait pas à moi, donc je m'inquiète pas. Ah ouais, non, mais il est magnifique, hein. J'aime bien aussi les jeux en pixel art, moi, de base, donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Mais il est vraiment magnifique. Absolument. J'ai eu Asio qui se rendait chez le professeur. Pour quelqu'un aussi strict qu'Asio, il pardonne bien facilement. Allez maintenant, sois une gentille chouette et retourne faire ton devoir. Absolument. Ok. J'ai joué à Octopath Traveler. Je l'ai pas fait encore celui-là. Par contre, j'ai fait vite fait la démo de Project... Voilà. La suite d'Octopath. Et en vrai, c'est fat. C'est beaucoup... En fait, je trouve ça beaucoup trop détaillé, mais c'est incroyable. D'ailleurs, faut peut-être que je continue un jour. Non, je suis bloqué aussi, là. Ah, yes. Parfait. Quel bonheur de revoir ce jeu. Ah non, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique, hein, Brozon, on est d'accord. Comment vas-tu? Salut à toi, comment vas-tu? Installe-toi, mets-toi à l'aise. Bien sûr. Puis je refais les... à peu près les mêmes voix. Attends. Je peux pas lui parler. J'ai oublié ça. Oh non, le mur invisible. Alors. Peut-être un truc à gauche, là. Non. J'avoue que je ne sais plus. Où est-ce que je dois aller? Est-ce que je dois chercher, en gros, s'il y a, par hasard... Et des brigands, bien sûr. Mais je me rappelle plus où est-ce qu'il faut aller. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Solus? Tu vas patrouiller à la recherche de pirates aujourd'hui? Oh mais là, tu comptes t'en faire si tu rentres quoi que ce soit. Regarde-le, il n'est même pas capable de tenir debout. Encore ces gosses. Ça va bien, Brosa. Ça va, mec? Oh, oui. Merci. Tu es l'un des élèves de Strix? C'est la première fois que je te vois. Ah, oui. Fib et Bonacci sont mes camarades de classe. On est super potes. Tu t'appelles Solus? Écoute, tout à l'heure, il s'en prenait aussi à Otus. S'il t'ennuie, n'hésite pas à cliquer pour nous appeler. Merci, les gars. Mais ils ont raison, hein. Je suis un couard. Ne parle pas de toi comme ça, mec. Écoute, pourquoi on... Non ! Valène ! Au secours ! Mandoline ! Plac ! Ah non, c'est le fauteur du trouble ! Vite, Solus, s'appelle à l'aide ! Otus et moi allons le rattraper. Oh, ok. Otus, ramasse-moi et allons-y. Non, parce que remember le... Là, maintenant, je peux le dire parce que c'est passé. Le barre-toi, salope de Dying Light. Maintenant, je fais attention quand je hurle. Je fais... Bonne chance. Ah, mais l'OST, elle est folle. Hein. Et je l'ai réécouté tout à l'heure, là, avant de lancer le stream. Je l'ai mis en début de stream. Elle est incroyable. Il y en a, toi. Ramène ta fraise! Otus, tu me lâches pas! Salaud! Aïe! Pardon. Ouh! Je pense en tout cas. Ah non, mais tu m'étonnes! La musique, oh putain, mais oui, elle est plaisante, au secours. Oh, je sais plus ça, quoi, ça. Donne la moula, j'aime la moula. Bon. De toute façon, ils étaient pas à nous. Donc c'est tranquille. Vous avez le droit à mes belles voix d'avant, hein. C'est parfait là-dessus. Otus, regarde, c'est le fauteur de trouble.
Je vais m'amuser. Je vais m'amuser là. Attention, vous êtes pas prêts, hein. Vous êtes absolument pas prêts. Ah putain, je les avais pas vus. Bah, j'étais pas prêt non plus. Voilà. Allez, il y a le Joker là à côté. C'est une araignée. Aucune idée. J'avoue que je me rappelle plus trop de la spécificité de ce mob. Pas de ce personnage. En tout cas, c'est un mob. La bite en bois, bien sûr. Peut-être les deux en vrai. Ouais, non, mais c'est pas impossible. Alors, il y a la bombe là. Pas la bombe. Yeah. Bien sûr, il y a un bullet drop que j'oublie systématiquement dans tous les jeux. Donne-moi le Hamoula. Let's go. Pardon. J'avais oublié à quel point l'animation de Geddy, elle était incroyable. Pour ça, la voix de Samy lui va trop bien. Hein ? Oh ! Attention ! Putain, il a fait une obito, là. Pardon, je l'avais oublié, celle-là. Otus ! Otus, reviens à toi ! Dis-moi que tu n'as rien, Otus. Oh là là, je savais pas que cette grotte était si dangereuse. Accroche-toi, mon gars! Ah oui, c'est vrai que je peux attaquer au corps à corps. Allez, let's go. Oui, c'est vrai que je peux attaquer par moi-même aussi. Par contre, je tue pas, du coup. Ouais. Attends, est-ce que je peux? Pardon. C'était pas ce que je comptais faire. Wouah! Tiens. Ça marche. Mange tes fruits et légumes! Blé! Let's go. Alors. Ah. Herculade. Pardon. Ceux qui ont la ref ont la ref. Ok. Ça va. Yaha, piou! Youhou, ouais! Je t'ai retrouvé! Je suis vivant! Et toi aussi! Vous, on est les meilleurs! Et calme-toi, Otus, hein, c'est pas le moment de faire la fête! On ferait mieux de sortir d'ici avant que ça s'effondre à nouveau, non? Ah oui, je peux molester! Pardon. Ça va, Geddy? J'oublie, le gameplay il est insane. Hein. Et très. C'est con, mais maintenant, quand j'y repense, il est très intuitif. Alors c'est peut-être parce que j'ai. Aïe. Je me fais combo et je dis ça quoi. Il est très intuitif parce que je me rappelle qu'à l'époque j'arrivais pas parce que j'étais pas habitué au Metroidvania en fait. Genre, enfin pour moi je considère que c'est un Metroidvania alors que ça n'en est pas un du tout, mais.
C'est genre incroyable, quoi. Je sais que je m'en sors beaucoup plus qu'à l'époque. Déjà que tu fais éclater contre les murs, si tu frappes en plus, ah bah... Ah bah là, cher. Miskin. Ouais, ouais, attends, on arrive. Ah! Et ça marche pas. Oh bon. Pourquoi ça me fait autant rire, quoi, qu'il se fasse victimiser, le pauvre Greedy. Giddy, pardon. J'ai hâte qu'on retrouve Alphonse, en vrai. Ça va être très drôle. Je vais me péter la voix. On va arriver au Among Us, je veux vraiment faire mon âge, quoi. Non, c'est Giddy contre Anne. Ah, c'est pas comme si c'était volontaire, tu vois. Mais je vais essayer de faire un effort. Et victimiser Giddy. Ah oui, attends, c'est vrai qu'au début, je suis obligé de le porter. Je suis obligé d'aller le chercher, monsieur ne bouge pas. Ah, mais c'est complexe, du coup. J'ai réalisé, je suis débile. Et j'ai besoin de lui pour là. Ouais, bon, c'est complexe. Victimiser. Ah, t'as dit lancer Gedi, hein. Donc je peux le victimiser. Hein. Wow. Mais toi, tu vas prendre un truc dans la gueule. Et frère, tu vas bouffer un truc, tu vas rien comprendre. Bouc. Nom. Attention, n'oubliez pas que vos récompenses de points de chaîne sont limitées. Désolé, Guidi. Lâcher dans le vide, c'est considéré comme victimisé. Ah, vraie question. Merde. Là, c'était pas volontaire. Je voulais l'envoyer au-dessus. Ah oui, ça tremble bien, quoi. Non, mais vous allez voir, on va Among Us de tout à l'heure, ça va faire... Bon, alors, j'étais à mettre... Mais... Pardon, c'est pas volontaire, promis. Je vois pas où est le problème, exact. Promis, monsieur le juge, c'était pas volontaire. Je vais le suriner derrière la nuque, là. Ah non, c'était pas volontaire, les mecs, hein. Dis-moi, t'as trouvé quelque chose là-dedans? Là, on va être 10 en plus, ça va être un enfer, ça va être très drôle. Au! Au! Voilà. Quoi, c'est prévu de jouer des mute? Oh l'enfer! Au! Oh l'enfer! J'espère que ça va se durer que sur une session, quoi, ça, parce que... Au secours! Ah, je pouvais le prendre et le balancer dans la tronche! Ah bah, je vais prendre ça à la place de Giddy. Hein. Et ça a marché. C'est complètement ce qu'il fallait faire. Merci pour le GG. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser les émotes, hein, prévues pour vous, que ce soit follower ou sub. C'est très important. Pour les stats, hein, tout simplement. Wow, c'est quoi ça? Ça ressemble à une vieille relique chouette. Enfin, quand je dis chouette, c'est pas qu'elle elle est cool, c'est juste que... Ah, oh, tu fais chier. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois qu'on ferait bien d'en apporter un fragment au professeur. Je te tiens.
Protus, cet homme araignée nous a eu. C'est une araignée. Il faut se dépêtrer de ses toiles. Je vais lui arriver dans la tronche, ouais. Excellent, Otus. Tu crois que tu pourrais m'aider à descendre d'ici aussi? Ah, il faut le victimiser. Eh, là, ça compte comme quelque chose de correct ou pas? Parce que là, je l'ai victimisé, mais c'était pas volontaire, quoi. Enfin, fallait le victimiser pour l'aider. Ouais, super! Tu nous as sauvé la vie, Otus. C'est bien mon meilleur pote, ça. Ok, avant de sortir ici, je vais quand même prélever un petit fragment de cette relique. C'est peut-être pas une bonne idée. Pourtant, je continue. Tant qu'il est consentant, rien n'est retenu. Exactement, le consentement, c'est important. En plus de ça, ça rime, c'est cool. C'est un bon moyen mnémotechnique. Hein, Hollywood? Pardon. c'est parti très vite, là, d'un coup. Le dérapage contrôlé, attention. Qu'est-ce que... C'est quoi? On dirait un appareil avec un bouton. Étrange, si ça a été fabriqué par les chouettes, ça devrait avoir des siècles d'existence, alors. Mais ça a l'air entièrement intact. Je me demande ce qui se passerait si on appuierait sur le bouton. C'est littéralement cronk, en fait, Geddy. Je me demanderais ce qui se passerait si on appuyait sur le bouton. Oh, ouais. Pardon. Je te le laisse. Le sac à merde. Incroyable. Au secours. Vas-y, Otus, appuie sur le bouton. Moi, je vais... je vais juste... J'ai du linge dans le poney. Me mettre là. Je voulais m'approcher de lui. Et l'activer. Ouah! Est-ce que je viens d'être téléporté? Cette technologie est incroyable! Oh, les chouettes savaient faire des trucs pareils! Refais-le! Wouhou! Et attends! Attends de voir la réaction du prof quand on lui montrera ça, en fait! Même si... On devrait sortir d'ici tant que cette grotte tient encore debout! Peut-être pas une mauvaise idée. Plou! 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 Attends, 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 attends! Donc là c'est parfait parce que par exemple s'il est là-bas, je peux faire ça. Je vais éternuer. Bannir une action en jeu, éternuer. D'un choix dans le titre. Non, c'est vrai que je l'ai pas fait cette fois-ci. Je vais me moucher, je reviens. Attends. Voilà. Il y avait toujours cette blague, justement. Quel enfer! Ah, oh, je pourrais m'habituer à ces téléportations, Otus. J'aurais plus jamais besoin de marcher. Bon, retournons. Oh non, encore une secousse! Mais. On aurait dit que ça venait de dehors. Vite, Otus, allons voir ce qui se passe! Tu sais, Otus, ça fait quand même mal ce que tu me fais là. Genre tourbillonner, c'est pas que. Pardon. Pourquoi il fait tout noir tout d'un coup? Ta gueule! Mais combien de temps qu'on poursuit cet imbécile? Ça devrait toujours être le matin. Ouah! Qu'est-ce qui se passe? The Link, doubleur professionnel. Donc ça va être un très court samedi chill, hein, je vous préviens de suite d'avance. Parce que je vais m'arrêter à 45, je pense.
Voilà, maximum 30. Allez, 40 maximum. Maximum 40. Faut que je fasse une pause, je suis un peu claquos à cause de la maladie, bien sûr. Oh non, des pirates du ciel! J'ai pas encore eu le temps de réparer votre canon, on est sans défense! Emmène-moi avec toi, si on reste ensemble, on courra moins de risques! Si on atteint le labo, on pourrait avertir Azio et le professeur! Ils sauront quoi faire! Oh fuck! Ah! Heureusement qu'il y a le téléporteur. Oula, 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 oula. Les méchants. Les méchants. Oui, c'est eux, c'est les méchants. Ah. Je descends comment? Ah oui, c'est par là. Aou, 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 esquive, esquive, esquive de la loutre. Je vais éternuer. Ah, mes souhaits, bien sûr. Otus! Otus, où es-tu passé? Où étais-tu passé? Rentre tout de suite! Bon ben, je vais faire la garde. Otus, tu étais censé monter la garde, où étais-tu? Qui dit, tu aurais dû savoir que... Azio. Azio, nous n'avons pas le temps pour ces chicaneries. Geddy, répare cette machine pour que nous puissions apercevoir les pirates. Je vais faire de mon mieux, professeur. Essayez là maintenant. J'ai oublié celle-là. C'est étrange. Je ressens une sorte de secousse. Je me demande si le village se défend. Peu importe. Nous avons déjà trouvé ce que nous cherchions. Dois-je comprendre que la relique est en notre possession? Ouais, c'était là où cette petite chouette nous a menés. Aucun problème. Excellent. Il est donc temps de prendre congé. Non, 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 on n'a pas fini. C'est l'heure du pillage. Ne soyez pas ridicules, nous n'avons plus rien à faire ici. Les ordres du capitaine Molstrom étaient de poursuivre notre route et d'attaquer Avent. Avent? On va enfin attaquer la capitale? Absolument. Le capitaine semble estimer que nos forces sont suffisantes. Et si nous obtenons également la relique cachée à Avent, nous serons encore plus forts. Bien sûr, le voyage sera risqué. Nous devrons voler près du temple chouette. Assez chouiné. En route. Très bien. Allons-y. Putain, je dois me casser la à moitié la voix pour le faire, ce personnage incroyable. Ça marche! Ce sont les vaisseaux pirates qui s'affichent à l'écran. Il semblerait que les pirates s'en vont. C'est juste. Ça ne fait aucun doute. Pourquoi partent-ils? Non, non, c'est une mauvaise augure. Azio, convoquez immédiatement un conseil municipal. Il n'y a pas de temps à perdre. J'ai commencé à perdre la voix du vieux pour avoir celle du pirate, quoi, c'est incroyable. D'accord. Otus, Geddy, suivez-moi. Cet instant. Est-ce que les pirates ont aussi le remarqué? Ah ouais, non, mais surtout que... j'ai prévu un petit truc. Que les îles sont... Non, c'est peu probable. Surtout que, ouais, je me suis dit, tiens, et si je faisais des récompenses de chaîne où je devais faire des voix différentes? À chaque partie. Voilà tout ce que je veux dire. Tout le monde, silence! Silence! Tout le monde va bien? Ça va. Les élèves de Strix sont partis pister les pirates.
Je ne crois pas que les pirates soient venus pour nous. Alors, quoi pirate faire ici? Écoutez-moi tous, nous n'avons pas le temps d'en discuter. Mon relevé indique que les pirates se dirigent vers la capitale. Ils vont attaquer avant? Oui, il faut averser la ville vite. Les vaisseaux pirates sont là, mais ils ont de l'avance sur nous. En ce cas, nous n'avons plus le choix, professeur. Nous allons devoir utiliser le temple chouette comme mécanisme de défense. Ah oui! Le temple chouette sépare les îles de la zone par son souffle depuis des décennies. En désactivant ce générateur éolien, les îles se rapprocheront et écraseront les pirates. J'espère. Ainsi, les chouettes ancestrales pourront peut-être nous aider à protéger Avant. Otus! Tu te rendras au temple chouette. Le professeur et moi devons aller à Avant sans délai pour les avertir. Et personne d'autre ici ne s'est volé. Est-ce qu'Otus connaît le chemin du temple? C'est vrai! Je devrais aller avec lui, Azio! Bien. Attention, Otus. Si tu me descends encore, les conséquences seront graves. Tu as mis notre village en danger en abandonnant ton poste aujourd'hui. Ne le refais plus. Otus, Geddy, professeur, préparez-vous à partir. J'avoue qu'il est... Il est un peu... Un peu sec, hein, quand même, Azio. Rends-toi au temple chouette aussi vite que tu peux. Ne me déçois pas, Otus. Garde, ouvrez les portes. Pouh ! Oh putain, la vache. Enfin, les portes sont ouvertes. Mettons-nous en route, Otus. Bah, c'est le seul qui peut voler, donc c'est... Voilà, quoi. Pardon. Je vais moucher encore, je reviens. C'est horrible. Ah, j'en ai ras le cul. C'est violent. Pourquoi pas envie... Ouais. Entre ça et l'envie d'éternuer en boucle, là, c'est un enfer. Donc, attendez. J'ai pas une map. Je me rappelle plus si j'ai une map. Je crois pas, hein. Je sais pas si c'est par là, attendez. Avant-poste de Veli, ok, c'est pas par là-bas. Ah oui, c'est par les portes, je suis débile. Complètement sapé. Allez, let's go. Non, mais il est très cool ce jeu en vrai. Vraiment, hein. Il est très très bien. Trop trop bien même. Oh l'enfer! Bon oui, c'est vrai! C'est vrai que c'est largement mieux d'envoyer Otus prévenir la capitale, mais peut-être que pour aller à la capitale, il faut aller très vite, tu vois. Et vu que Azio a l'air de pouvoir... Voilà, quoi. Ah! Il avait disparu. C'est Earthbound, on va voir Gigas... se ramener, là, on va rien comprendre. Ok Otus, on a Atropos. Maintenant, si je me souviens bien... je crois que le temple chouette doit être dans les parages. Enquêtons avec un peu de chance, on trouvera l'entrée. Merde. Bienvenue à Atropos, boutique de boucanerie tout droit. Ok. Ah oui, la boutique de... Oh non, au secours. Ah putain, je croyais que c'était un PNJ. Ça, c'est la boutique, non. Ouais, on peut pas se comment se tromper en disant ça. Et bienvenue, nouveau client. Je m'appelle Boucanari. Ceci est mon légendaire grand magasin pour aventuriers. Et j'ai déjà un défi pour toi. J'ai caché toutes mes pièces de Boucanari. Si tu en trouves, ramène-les-moi. Plus tu en trouveras, plus tu auras de choix dans ma collection d'objets. Je collectionne des objets depuis longtemps. Approche-toi du comptoir quand tu seras prêt. Au secours. Oh, et pour chaque canon coupeau trouvé, je te donnerai 3 de mes pièces de Boucanari. Parfait pour un départ canon. À présent, voyons combien de butins tu as accumulé. Tu as récupéré 53 pièces de Boucanari. Pas mal. À vrai dire, je t'autorise à recevoir ton tout premier objet.
Hop. Salut. Alors? Hein? Où est l'objet? Quel? Ah, j'ai oublié l'objet! Tada! Prenez-le, monsieur! Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Prends-en une gorgée! C'était de la drogue. Ouais, ça arrache. Ça va te secouer les plumes. Bon. Bogard, retourne à ta cabane. Chef, oui, chef. Oui. Récupère 500 pièces de boule canari pour recevoir une autre surprise. Putain, c'est le chapeau de Geddy, quoi. Permet de rallonger sa vie. C'est complètement ça, hein, bien sûr. Pendant quoi instant. c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Attention, la drogue est à consommer avec modération. La drogue n'est pas à consommer tout court. Voilà, let's go. Putain, il fait déjà nuit. Ok, je peux pas lui tirer dessus. Hmm. Oui, c'est pas le temple, ça. Hop là. Bon, toi, tu dégages. Alors. En haut, continent volant, en bas, veille. Ok. Non, mais faut croire hein, que c'est comme ça le cycle. Hein. Ici. Tête à gauche. Blanc. Ok, bon bah. Ah non, va passer. Ok. Ok. Ouais, parce que ça a été ravagé, je pense. Pour ça qu'il déprime. Bon, allez, on monte. Je crois que j'avais pas fait le... les pièces de boucanari dans mon let's play. En haut, continuons volant en bavéi. Ok. Il fait déjà jour, donc oui, c'est bien 3 minutes. Hein. Pour le cycle aujourd'hui. On dirait là où il a cassé le vase dans son rêve. Oh! C'est vrai que... Diotus, on devrait peut-être se reposer un peu avant de continuer. Au secours. Oh, Otus, on a enfin quitté Veli. Et tu vas bientôt pouvoir découvrir avant. Même si ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé y aller. Si tu veux, je peux t'en parler un peu. Je peux te parler un peu d'avant. Des pirates? Je ne sais pas grand chose à leur propos pour être honnête, mais seulement des rumeurs. On a livré quelques escarmouches contre eux quand j'étais à l'armée à Avant. J'en avais jamais vu d'autant qu'à Veli, par contre. Hmm. Mais ces pirates-là battaient toujours en retraite dès qu'on tirait des coups de semonce. Pardon. Je suis sûr que tout ira bien. Tu veux que je te parle d'autre chose? Je crois que je suis en train de développer une petite fièvre. Je suis pas sûr, mais... là, je suis mort de chaud, j'ai des sueurs froides, tout ça, je pense que c'est ça. ça devrait aller, ça devrait aller. Je pense que je peux gérer tout le stream, mais ça va être complexe un peu vers la fin, je pense.
Oh là là, je suis vraiment impatient à l'idée que tu découvres Avent, Otus. Ces magasins, c'est un début hein, seulement. Ces panoramas, ces habitants, y a tant à faire avant. Et puis, je crois qu'Azio en fait trop. Je veux dire, tous les pirates du monde ne pourraient pas franchir la défense d'Avent, même s'ils le voulaient. Toute cette situation est exagérée, si tu veux mon avis. Au moins, c'est bien qu'elle nous force à quitter le village à un moment. Tu sais, ça donne l'impression qu'on est parti. À l'aventure. Tu veux que je te parle d'autre chose? Et à propos du temple chouette. J'imagine que t'es jamais venu ici avant, pas vrai? C'est une des plus anciennes ruines chouettes connues. Quand même, c'est un lieu irréel. Énorme. Il devrait y avoir des chouettes partout à l'époque. Je commence à avoir du mal à gérer les bois. On va devoir aller au cœur du temple pour accéder à la salle de contrôle. Ce sera dur, mais on peut y arriver. Tu veux que je te parle d'autre chose? Va dormir. Bonne idée, je suis claqué. Continuons notre voyage demain, d'accord? On devrait se reposer un peu. Ouais, je prendrai un petit cadoc après ce stream, ça devrait aller. Surtout, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. Le scénario. Déjà, avant de lancer le stream, je sentais que ça allait être compliqué. Parce que je me sentais un peu patraque, très fatigué, lessivé. Mais ça, le stream, il me remonte un peu l'énergie, donc c'est cool. Et ouais, j'irai pas trop fort sur Among Us, hein, y a pas de soucis. Je sais me limiter, j'ai pris l'habitude. Mais ça restera quand même un peu compliqué, j'avoue. Alors, oups là. Ah, attends, cette VOD, je sais pas quand elle sortira par contre. C'est pas possible que ça soit, vu que c'est un samedi chill. Peut-être en juillet. A savoir, pour la VOD, on est actuellement en mai. Hein. On est le 7 mai actuellement. Donc je suis désolé si vous m'entendez respirer fort tout ça. C'est assez complexe là, j'avoue. Bah ouais, j'ai des rediffs jusqu'en juillet, quoi. Et encore, j'en sors quand je peux en sortir. Par exemple, les découvertes ou autres, je les sors dès que je les ai finis à préparer, en fait. Mais sinon, c'est comme les shorts, hein, actuellement, j'en ai jusqu'à début juillet aussi. Bien, je fais de la merde, dégage. Alors, j'ai écouté dire septembre. Ah, en vrai, je pourrais, presque. Hein. Et là, ça vaut. Ouah non. Ouah, pitié, ne me fais pas de mal. Quoi? Pourquoi te ferais du mal? Vous n'allez pas me faire de mal? Ouah, comme ça, j'entends un mot. Je suis l'un des punching balls de Boucanary, l'un de ses assistants. C'est vrai. Elle nous fait jamais de mal. Elle m'a envoyé chercher mes frères. Ok. À quoi ils ressemblent? Ah bon, ouais. Si vous les trouvez, merci de leur demander de retourner à la boutique de Boucanary. Enfer. À moins qu'ils ne veuillent pas être plus... Sinon, Boucanary se fera sans encre. Wep. Pour vous aider dans votre périple, je vais vous apprendre un truc pratique. Donc voilà! Plutôt cool, non? À votre tour d'essayer! Ouah! Vous êtes un génie! Je parie que j'ai le choix de sans faire des roulades même en volant. Cependant! Familiez-vous que vous vous déplacez plus vite si votre estomac est plein?
N'hésitez pas à vous gonfler de nourriture et voir dans mon conseil. Bon, si vous rencontrez mes frères, merci de leur dire que Bukanari les attend. Déplacez-vous, s'il vous plaît. Je veux dire, prenez votre temps, je serai certainement encore en vie à leur retour. Ouais. Ouais, bien, c'est agréable de rencontrer quelqu'un. On se revoit à la boutique. Ouais, c'est lui dans le hall, en gif. Eh bien, Otus, c'était sacrément bizarre tout ça. J'imagine qu'on pourrait l'aider à retrouver ses frères, cela dit. Pauvre type. Faut appeler Aspire. Bon, dans un monde de chouettes. Pas sûr que bon. La SPA, c'est les droits de l'homme qu'on a à nous actuellement en France, quoi. si vraiment il y avait. Et dans ce truc. Où c'est des stagiaires? Merde. Non. Faut appeler la police alors. Ouais! Oh fuck. Le temple chouette. Le premier des grands temples. Les chouettes y ont appris à contrôler les éléments et à défier l'ordre naturel des choses. À la fin du premier éon, elles avaient maîtrisé l'eau, le feu et le vent. Leur œuvre leur avait révélé l'existence des mystères plus importants. Et ainsi naquirent l'avatar, maître des quatre éléments. Pardon. Ok, c'est quoi ce Beans? C'était qui? J'imagine qu'on ne sera pas tout seul ici. Soyons prudents et tous. Tu fais chier. J'allais faire la blague. On a les mêmes rêves, c'est tout. Ah, tant qu'il y en a un qui a pas des daddy issues derrière, je m'en fous, je t'avoue. Aul Temple. Ouah, c'est grand ici quand même. J'aimerais bien visiter. Ah, c'était drôle. Je vais éviter de le refaire. J'ai mal au ventre. Ça, c'est agir lui aussi. Non, c'est Geddy. C'est vraiment un soldat. Hein. C'est un soldat quand même, hein, Geddy. Et je le victimise. Bah écoute, je me fais bully. Il se fait bully aussi. Hein. Voilà, allez, bouffe. Mais c'est les lois de la bully. Hein. J'ai pas regardé l'écran. Yes. Alors. Oh. Eh, j'avais pas vu. Aou. J'avais pas vu ça non plus. Je sais que ça a rien, mais. Ok. Bon, je tentais, hein. Oh. Mais dégage. Parfait. Et c'est pour activer au-dessus. L'armée dans ce monde. Eh ben, il faut savoir parler comme Scooby. Comme Samy, pardon, pas comme Scooby. Je suis Samy. Scooby, où es-tu? Quel enfer. Aouh. Dégage. Je le victimise tellement fort, quoi. Ah yes. Oh. Oh. Ah. Attendez. La maltraitance. On dit non. Sims legit, tirer sur un nuage, ça aide pas. Hein. Pardon.
Hop, voilà. Mais... Voilà. Yeah. Pas bête la bête. Je vois. Je vois des choses dans ce monde. Ok, je peux passer par là maintenant. Non, je vais pas y aller maintenant. Ah! Ah! Ouh putain, oula oula oula. Il est pas si dur que ça le jeu normalement, mais c'est juste que je fais de la merde. Hein. C'est légitime. Chez. Ouais. Ok, on monte maintenant. À gauche. À droite. En haut. En bas. Ah, chez. Oh là, la max. Je lui ai mis la max. Je lui ai mis la max. Attends. Où. Ah. Ah putain. Putain mais oh. Oh la vache, mais je me fais marrable là, au secours. Je répète, le jeu il est pas dur. Hein. Genre vraiment. J'ai réalisé que c'était pas une bonne idée. C'était pas voulu. Je voulais tourbillonner moi à la base. Parfait. 2, 3, 4, 5. Rock. T'as encore un coup et je suis mort. Ça va, j'ai réussi à survivre. Peut-être que j'aurai de la vie là. Non, que de l'argent. Ça a fait réfléchir. Nam. Nam. Bonjour monsieur. Ok. Ok. On va pas s'éterniser longtemps sur les ennemis, sachant que ça rapporte rien de rester dessus. J'ai réalisé peut-être que le poisson, en fait, fallait que je l'aide avec ça. Il paraît combien qu'il va se péter juste là. C'est bon. Ok. Je retourne en arrière.
Aouh. Ah non, faut que je pète le nuage. Voilà. Quasiment sûr qu'il y a un truc avec le poisson. Putain, mais c'est pas vrai. Panique. Fuck. Oh, je me hais. Oh, je me hais. Genre, j'ai vraiment appuyé premier degré dessus. Je me hais. J'ai appuyé premier degré pour l'attraper et j'étais en mode oh, tiens, c'est bizarre, on peut attraper un truc. Blé. Et je l'ai lâché à la fin. J'ai peur de faire une mauvaise... J'ai peur, tellement peur de faire une mauvaise manip. Allez. Ok. Aïe. Ah, quel abruti. Ça m'aurait tellement évité qu'il se pète le machin. Oh putain. J'ai eu mon côté à tout à l'heure. Y'a pas de soucis à tout à l'heure, Blue. Ça sert à rien, putain. À l'aide. Je fais de la merde et ça sert à rien. Je vais éternuer à nouveau. Quel enfer. J'en ai l'œil qui pleure actuellement. C'est horrible. Tout ça pour ça. Ouais, non, mais faut tester. Hein. Faut tester, même si c'est de la merde, hein, comme il a. Ah, putain. Allez, la bonne vieille plateforme à l'ancienne. Je parie que si j'utilise là. Voilà, instant. Et je parie que si j'utilise là aussi, c'est instant. Ce qui va se faire gober. À moins que je trouve un truc pour le boucher. Voilà, genre ça. Oh l'enfer! Je m'en rappelais plus. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Whoop. Et ça débloque ça, ok. Qu'un la pierre au cas où. C'est jamais, hein. Ouais, bah. Non. Mais. C'est de la chiasse. Ah, c'est de la chiasse. Le bouton saut, en fait, vu que. Bah, en deux secondes, j'ai oublié que j'étais sur Nintendo. Sur une Nintendo Switch, du coup le bouton saut c'est le bouton B, que, enfin c'est le bouton B sur une manette de Xbox, du coup. Ah, ça me perturbe. Quel enfer. Quel giga enfer. Non mais, genre vraiment. Genre, c'est quoi à dire, mais c'est tellement intuitif la manette Xbox qu'au bout d'un moment, bah, tu prends cette habitude de la manette Xbox. Et là, vu que c'est pas la manette Xbox, c'est complexe. Oh fuck.
touche plus à ma Switch. Ah bah ouais, ça se comprend. Bon après, ça dépend des jeux, c'est ça le truc. C'est que c'est pas sur tous les jeux que c'est comme ça. Mais ça n'empêche que ça reste quand même très, 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 très problématique quand tu passes d'un jeu à l'autre. Bon après, c'est pas comme si qu'en ce moment, je jouais beaucoup à de jeux sur PC qui nécessitent une manette. Mais ça n'empêche que dernièrement, j'ai fait que ça. J'ai plus joué à mon PC qu'à ma Switch. Ah! Heureusement que tu peux me téléporter. Il faut une bombe. Ouf! J'avais oublié. Putain, l'écran rouge, il m'a fait paniquer pendant une seconde. Ouais, mais il y a très très longtemps, tu vois, plus maintenant. C'est un ancien temple, quoi. Oui, 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 oui. J'ai pris les dégâts. Tranquille. Bah, je pense qu'elles ont été détruites, quoi. Puis bon, les temples, ouais, mon cul qu'on y vit, quoi. Là où elles travaillaient, ok. Là où elles vivent. Laisse-moi douter. D'ailleurs, chose à savoir, c'est que j'ai fait acheter à Daré, du coup, la version collector de Hellboy, suite à mon let's play à l'époque. C'est pour vous dire, j'étais déjà un influenceur. J'étais vraiment un influenceur. Oh! Ouais. Il avait partagé une image complète de son achat. Oui, 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 oui. Ouais, ça se comprend après, Brother, non? Comme quoi, on s'en rend pas forcément compte en tant que streamer, mais on peut quand même pas mal aider. Oh, un technome, ne bouge pas d'un poil! On a dû atterrir dans leur antre, ces trucs sont affreusement mortels, mec! Écoute, il faut qu'on sorte d'ici. Les gnomes ont une mauvaise vue, mais leur ouïe est fabuleuse. Ils t'entendent battre des ailes à des kilomètres, quoi qu'il arrive, ne t'envole pas. Reste hors de leur vue et essaie de grimper jusqu'à la sortie. Si t'es repéré, fuis! Ne t'inquiète pas pour moi, oublie juste pas de me téléporter hors d'ici quand tu seras sorti, pitié. Fuck. Ah ouais, j'avais oublié. Sachant que j'ai mis ce clic, hein. Ouais bah là Otis il se chie dessus. Bah les couilles. Bah les couilles, bah les couilles, bah les couilles, bah les couilles.
Oh le rush! Oh la speedrun! Speedrun getaway! Oh l'enfer! Otus, c'est littéralement, tu sais, quand quand t'es dans un film d'horreur, tu casses la brindille involontairement en marchant dessus. Enfin, la brindille, la branche sur le sol, tu la casses en deux. Le slasher qui te regarde, il se retourne. Et il fait. Et du coup, tu cours ta mère et ça passe. C'est littéralement ça. C'est ce qu'il a fait Otus, là. Je sais pas sauter. Oh non! Yeah. Ah, ça c'est con. Encore. Que dans le doute, hein. Hey Geddy, tu devrais prendre de l'élan quand même. Hein. C'est quoi cette arnaque? Ah, peut-être que... Oh oh! Ouais, ça prend tout son sens. Ah! Genre lâcher, ça veut dire la lancer, ok. Mais vas-y, ma vie, Zoï. Zoï. Zoï, please! Est-ce que je voulais le tuer? Oui. Poui, 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 poui. Parfait. Parfait. Absolument parfait. Putain. Bah attends, du coup... L'autre machin, on est d'accord que... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même en prendre un. Je vais quand même en prendre un. Dans le doute. Pardon. Dis donc, de quoi ça a-t-il l'air là-dedans? À ton avis. Bah! Le dernier impact a coupé en deux ce qui est resté du navire. Son flanc perd des rouages, nom d'un petit bonhomme. À quoi le capitaine pouvait-il bien penser quand il nous a engagés dans ce piège mortel? On s'en fiche, on a plus important à faire comme réfléchir à un moyen de sortir d'ici. Où est passée cette peste de Nocteuil? Elle ne pourra pas nous transporter tous les deux. On est censé faire quoi alors? Jouer à pile ou face? Hey! J'aime bien Geddy qui est en... Ce gosse porte une authentique cape chouette, on pourrait s'en servir pour se faire la balle. Très bien. Il semble que ce soit notre seule chance. Toutes mes excuses, jeune homme. Nous allons devoir vous déposséder de cette cape. Ah, j'ai pas envie.
Oui, je suis censé être en haut, mais vu que je me suis... voilà. Phew, quel combat ce fut! Avez-vous préparé la toile? Elle est prête à tirer. Abattons cette pépite d'or volante. Ah. La tourelle est encore en panne, va la réparer. Ah, ça tire deux fois. Allez. Trébuchage avec une bombe. Merci Brandon pour le clip. La tour elle est complètement en service. Je crois que nous avons été vaincus. Dans des moments pareils, la coutume veut qu'on se déclare battu. Hors de question, un pirate ne ferait jamais ça. Je ne suis pas sûr que nous suivions encore le code des pirates. Le capitaine Maelstrom nous a coincés ici et nous attendons toujours qu'il revienne nous chercher. Sommes-nous de fiers membres de son équipage, ou simplement des pions sur son impitoyable échiquier? Quoi? Tu oses t'en prendre au capitaine avec tes accusations pompeuses? Un vrai équipage de pirates n'abandonnerait personne. Je trouverais plus de fierté à naviguer sur les vents seuls qu'avec une bande de rustres sans vergogne. Qu'est-ce que tu vas payer pour tes traîtres paroles? Je vais t'embrocher sur le champ. Hein? J'ai mis fin à la sauterie. Toi? Je pensais qu'on s'était débarrassé. Je veux dire, aide-moi à sortir d'ici. T'as compris? Hé, une petite minute. T'es le fauteur de troupe de Veli? Et t'es de mèche avec les pirates? T'as joué une distraction pendant leur attaque, c'est ça? Des pirates, tu l'attaques? De quoi tu parles? À dire qu'à mon avis, je fais ce qu'il me demande de faire. T'es juste jaloux parce que toi t'as que face de plumeau, là. La tête d'Otus. Brandy, assez papoté. Filons le corps d'ici. Ça roule. Embarquez, on y va. C'est gênant. Bien. J'espère que mon mousquet ne vous a pas trop égratigné. Vous êtes remarquablement résistant et vous avez livré un combat honorable. Veuillez accepter mes excuses. Nous voulions désespérément traverser ces ruines, vous comprenez. Mais cela n'a plus d'importance. J'espère que nous pourrons nous quitter sans rancune. Bonne chance pour trouver la sortie. Il m'a fait la sortie. Wouah! Aïe, aïe, aïe. Je crois que je suis coincé ici. Ce n'est pas la sortie élégante que j'espérais. Sans doute pourrez-vous trouver un chemin pour avancer. On va voir. Aouh! Wow. Oh! Très beau travail là-haut! Je vous remercie! Oh yeah. Encore une situation délicate.
Cela semble un peu trop compliqué pour que nous puissions y remédier séparément. Peut-être vaudrait-il mieux pour nous deux de collaborer ? Les pirates ne voudront plus de moi et je suis libre de faire ce qu'il me plaît. Moi, Alphonse, serais honoré de rejoindre votre équipage si vous le permettez. Et voici Alphonse. Oh, c'est vrai que t'as l'air plus sympa que les autres pirates. Et j'ai l'impression que sans toi, cet autre Gus nous aura attaqué tout à l'heure. T'en penses quoi, Otus ? Ouais. Bien, on va tenter notre chance, Alphonse. Simplement, ne sois pas trop surpris quand tu seras téléporté. On a débloqué Alphonse, du coup. Et on s'arrête dans 5 minutes max. Putain, là, le caillou qui traverse, quoi. On fait que passer. Love is shit. We've got no time. Ah, le gameplay balance la sauce. Ouais, elle est incroyable. Hein. Allez. Non. Voilà. On peut commencer à se tailler dardard. Voilà. Ah oui, putain. Non ! Ça, c'est... Hop. Hop. Eh, gros speedrun, là. Attention. Ah. Ça sent le boss. Encore. Ça va, il one shot. Oh fuck. Alors je change du coup avec le bumper et non la gâchette. Putain. Donc ça reste assez pratique. C'est pas un boss, c'était juste un mini combat pour bloquer la zone, la mini quête. We know. Eh les gars, regardez! Je crois que c'est l'entrée de la salle de contrôle. La salle de contrôle? On se tire l'oreille? Ouais! Notre plan était de vous arrêter, enfin je veux dire, notre plan était d'arrêter les machines avant pour que le temple bloque le passage de ta flotte. C'est le seul moyen d'empêcher les pierres d'Atavent. Est-ce que t'es sûr? Que t'es avec nous sur ce coup, Alphonse ? Abandonner les pirates est une chose. Se liguer contre eux en est une autre. Les pirates menacent d'attaquer Avent. Si tu ne nous aides pas pour les avoir quittés, t'es parti par fierté, t'es fier de ne rien faire. J'étais convaincu que tu te prétendais noble, Alphonse. J'ai pris ma décision. Je vais vous aider. Il est vrai que les pirates sont allés trop loin dernièrement. Comme tu le dis, je ne peux pas rester passif. Si le capitaine Molstrom prévoit vraiment d'attaquer avant, nous devons l'empêcher par tous les moyens. Ouais, c'est soit avant ou avant. Ça dépend de mon mood. Moi, Alphonse, serais fier de rejoindre vos rangs. Ouais, je savais qu'on pouvait compter sur toi, Alphonse. Pas vrai, Otus ? Bon, allons-y. Il faut qu'on atteigne la salle de contrôle. Est-ce que c'est avec déception que je dis qu'on va s'arrêter maintenant? Je sais pas combien de temps ça va prendre et dans tous les cas je dois m'arrêter pour la suite des événements. Merci YouTube, des bisous et à une prochaine.